Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Emma. Aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing auprès du magasin Diamond Painting Factory. Donc, je vais ouvrir ce colis. Je vais juste faire une petite pause pour pas vous casser les oreilles. Donc, voilà, le colis est ouvert. Donc, on va regarder combien j'ai de toiles dans ce colis. Donc, une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc j'ai 9 toiles dans ce colis. Donc hop, il n'y a plus rien du tout, hein, c'est tout bon. Donc j'ai passé la commande le 10 juin et je l'ai reçue donc hier le 24 juin. Donc ça a mis à peu près 14 jours à arriver. Donc toutes ces toiles sont toutes à 5 euros unité. Donc toutes elles font 5 euros unité. Au total, j'en ai eu pour 38 euros plus 7 euros de frais d'expédition. Ça me marquait qu'il fallait entre 10 et 30 jours pour être livré. Donc moi, ça a mis 14 jours. Et donc au total, avec les frais de port, ça faisait 45 euros. J'ai passé cette commande grâce à Crush Un Tiers. Je sais pas si vous connaissez sa chaîne YouTube. Je vous mettrai sa chaîne YouTube juste en dessous dans les informations si vous voulez aller voir. Elle a parlé que sur ce site, vous pouviez avoir des toiles complètes en strass. Donc ça m'intéressait beaucoup. Donc on va regarder chaque toile une par une et vous me direz dans les commentaires si vous avez une toile préférée que vous voulez voir au plus vite ce que ça donne en strass. Donc je vous mets sur pause tant que j'enlève tout de la table. Donc on va commencer par cette toile-ci. Alors, voyons voir. J'espère que je vous casse pas trop les oreilles, hein. N'hésitez pas à me le dire si quand je déballe, je fais trop de bruit. Si vous préférez que je mette une petite musique le temps que je déballe pour éviter de trop vous casser les oreilles. Faut pas hésiter à me dire si vous avez des préférences, hein. Je ferai des modifications. Donc, hop, j'enlève tout ça. Et hop, voilà la toile. Donc c'est mini en bébé. Donc vous voyez bien tout. Oui, c'est tout bon. Donc on a le tableau des matières des deux côtés. On a 12 diamants différents. On a la taille de la toile, la référence de la toile et son dessin. On a le DP. Et on a les explications comment faire du DP. Et là c'est en... Je crois que c'est en anglais. Ouais. Donc, je vous rapproche la toile pour que vous voyez tout comme il faut. Voilà, donc on voit très bien les symboles. Tout est très bien fait. Je vous montre le tableau des matières. Donc, on a le numéro et le symbole sur la toile. Donc, moi, ça me suffit. Il manquerait juste une petite DMC, mais je ne pense pas que pour les cristaux, il y a des DMC. Donc voilà pour cette toile, on va contrôler si elle colle bien. Elle colle très bien. Je vais regarder si c'est bien 30 ou si c'est un peu plus petit. Donc là, on a... Que je me mette droit quand même. On a 23,9, quasiment 24. Donc ouais, on est très loin des 30, hein. Ma règle fait 30, hein. Donc les 30, c'est là. Donc les bords, eux, ils font 2,8, 2,9. Donc c'est quasiment 3. Donc on est un peu loin des 30. Mais bon, elle m'a l'air quand même assez grande. Donc voyons voir le toolkit. Donc le toolkit de base, stylet, colle, barquette. Donc par contre, alors moi tout ça m'est inutile, hein. Il y aurait des sachets pour y ranger, je trouverais ça parfait. Mais tout ça m'est inutile. Par contre, le fait que ce soit dans un sachet fermable, ça c'est très bien. Comme ça, si jamais un jour j'ai une toile où j'ai énormément de diamants qui me restent,
je saurai où les mettre. Je profite pour vous dire que si jamais il y a quelques personnes qui font de la FIMO et qui cherchent des petits stylets roses comme ça, n'hésitez pas à me contacter. On verra ensemble comment je peux vous les envoyer parce que moi les stylets roses comme ça je m'en sers pas du tout. Pareil pour les barquettes vertes, hein, je sais pas si certaines personnes en ont l'utilité. Moi je m'en sers pas. Donc voyons voir les diamants que nous avons. On a beaucoup de 2. Donc le 2 c'est tout le X qu'il y a là. Je vais quand même vous les montrer un par un au cas où vous seriez intéressé par cette toile. Voilà. Alors, on va commencer par le 1, ce serait pas mal. Donc on a du noir, je vous le retourne, hein. On a du noir. On a du rose, donc on en a 2 sachets. Les sachets m'ont l'air à peu près propres, ils sont pas trop sales, ça c'est pas mal. On a du rouge, on a du jaune, on a du, on va dire, orangé jaune. On a quasiment de l'orangé, un petit peu de rouge mélangé dedans. Là c'est un chouïa plus clair que celui du dessus. Vous voyez pas beaucoup hein, vu qu'ils sont à l'envers. On a un autre rose. Un rose encore plus clair. Encore un autre rose. De toute façon la toile est très rose. On a un doré très foncé. Et on a du gris. Et le gris, c'est les deux mêmes couleurs. Les deux là. Donc voilà pour cette toile, je vous mets en pause et je vais en chercher une autre. Alors j'ai juste oublié de vous montrer ce que donnait la toile sur le site. Donc voilà ce que ça donnait. Et c'est bien ressemblant par rapport à l'image qui est là. Donc on a bien 12 couleurs comme l'image, on a bien les 30-40. C'est exactement la même image, c'est exactement pareil. Donc vous voyez, 5 euros. Et j'ai oublié de vous dire, j'ai passé la commande le 10 juin et elle a été expédiée le 16 juin, donc 6 jours plus tard, et je l'ai reçue le 24, donc c'est quand même assez rapide pour être livré. Donc c'est toujours le même prix, hein, tout à 5 euros. Donc voyons voir cette toile. Hop. Alors je jette les papiers parce que je garde toutes mes toiles à plat pour pas que j'aie à les dérouler. Ma pochette de rangement ne me remercie pas parce qu'elle a deux doigts de craquer. Alors voilà le second DP. Donc, vous voyez bien tout, oui. Alors on a pareil les deux tableaux de matière, le dessin en gros, le 30-40, la référence et l'explication. Donc voyons voir ça, ça colle très bien. On a 21 couleurs. Donc toujours pareil, numéroté et avec les symboles. Il y a juste ce symbole là qui me paraît un petit peu bizarre. Je regarde s'il y a des ressemblants. Non, ça a l'air d'aller. On voit quand même assez bien les dessins. Donc voilà. Le toolkit toujours le même. Ah là c'est très bien. Là, les diamants sont rangés dans des sachets. Est-ce qu'on les voit tous? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ouais. Vous voyez pas tout le monde, mais je pense que ça ira comme ça. Vous voyez, on a du rouge. On a... Oh, celui-là, je vois pas très bien. Voilà, c'est celui-là, je vois pas. Là, on a un bleu ciel. De toute façon, cette toile-là, je vais vous la faire en vidéo, hein, parce que celle-là, je l'adore, je la trouve super belle. Donc ça, par contre, ce rangement-là, c'est très bien, surtout qu'on n'a pas de DMC, donc ça ne sert à rien de vouloir les ranger en ribambelle. Donc on a le numéro, la référence de la toile, et alors ça, je suppose que c'est le poids du sachet, et ça, je ne sais pas si c'est une référence du diamant. Parce que vous voyez, là, c'est pas pareil...
sur les autres. Alors, c'est peut-être une référence de diamant, je ne sais pas. À voir. Donc, je vais aller chercher un autre toolkit et je reviens tout de suite. Alors, j'ai oublié de vous montrer encore une fois. Voilà le dessin, ce qui rend sur le site. Et on a bien exactement la même chose comme ce qui est marqué et 21 couleurs comme ce qui est marqué. Voilà. Donc, je vais chercher une autre toile. Donc voilà, la troisième toile. Alors, excusez-moi si vous entendez un peu l'extérieur. J'ai entrouvert la fenêtre. Il commence à faire chaud. Alors, hop. Voilà. Hop. Alors, franchement, je trouve qu'ils ont été très rapides pour livrer. Un peu long pour expédier. Mais ça a été très rapide à livrer. Hop. Donc, voilà la troisième. Donc on est sur une toile de Noël, donc des bonhommes de neige avec un sapin. Donc on a un tableau de DMC de 22 couleurs. Donc voilà l'image de base. Voilà. Et c'est bien par rapport à l'image, c'est bien ça. Donc 22 couleurs, c'est bien ça. Donc voilà. Donc j'ai pris cette toile pour commencer à faire mon petit stock pour décembre. Comme ça au fur et à mesure, je vois ce que j'ai envie de faire. Ce que je ferai pour de toute façon pour décembre, je le ferai plus tard ou avant, hein, ça se trouve j'aurai pas patience. Le toolkit est tout poussiéreux, mais c'est pas grave. Hein. Un petit coup de chiffon et ça ira, c'est pas bien méchant. Voyons voir. Alors là, je vais vous les montrer. Les 22. Alors, je m'éloigne du téléphone. Faut pas vous casser les oreilles. Voilà. Hop. Je vois pas le 1. Moi j'ai le 22, le 21. Là j'ai le 20. Ah d'accord, ok, c'est mis dans l'autre sens. Il est là. Hop. Donc le 1, on est sur du bleu en strass. Ah, là c'est pas un strass. On a le 2 en tout noir. Alors comment ça se fait? Les S, c'est quoi? Les S, c'est le chapeau qui est là. La partie noire qui est juste là. Et les petits bouts de partie noire qu'il y a dans le sapin. Donc normalement c'était des toiles toutes en strass. Et là, il y a là, à cet endroit-là, pas de strass. Mais bon. Ensuite on a des strass noires. On a des strass, vous les voyez comment vous, elles sont un petit peu vert très très foncé. On a des strass un peu orangées, des jaunes, des rouges. Des verts très 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 foncés. Alors ça, ça doit être pour le sapin, c'est lequel? C'est le 8. Le 8, c'est les A. Oui, c'est pour le sapin. Donc c'est des verts très très foncés. Là, vous voyez quasiment du noir. Hein. Si je me rapproche un peu de là. Voilà, là vous voyez, c'est des verts très très foncés. Je vais rester vers la lumière. Du vert très clair. Alors, vous voyez quasiment du bleu. Un vert entre les deux. Du violet. Alors là, on est sur du violet très très foncé. Là, on est sur un bleu très foncé. Oui, plus rien. Du bleu très foncé. Un rouge très très foncé. Là, on est sur quoi? On dirait des noirs. Non, des transparents peut-être. Je ne saurais pas vous dire. Oui, je vous laisse voir comme ça. Oui, vous voyez du bleu, vous. Ouais, je ne saurais pas vous dire la couleur. Les mêmes, là? Non, c'est pas les mêmes. C'est pareil, je vois pas très bien la couleur. Je verrai ce que ça donne dans les pots. Du rose. Du bleu ciel. Du vert très clair. Et un doré. Et pour finir, l'argenté et le bleu foncé. Donc voilà pour cette toile. Donc je vais tester la colle. Et vous la rapprochez. Alors c'est très sympa, on a des symboles où c'est un cœur, donc elle colle très bien. Hein. Voilà les symboles qu'on a sur cette toile. Voilà ce que ça donne. C'est très joli. Donc je vais la ranger et aller chercher la suivante. Donc voilà la suivante. Alors je tiens à m'excuser à l'avance, hein. Il y a beaucoup de toiles de Noël. Je voulais faire un petit stock de toiles de Noël pour être prête pour décembre, vu qu'il faudrait que je m'y prenne un peu à l'avance. Et en même temps, je trouvais que les toiles
en cristal comme ça, c'est plus joli pour les toiles de Noël. Vous voyez, ça brille de partout. Noël, c'est magique. Enfin, bon, vous inquiétez pas, il n'y a pas non plus que du Noël. Hein. Il n'y a pas non plus que ça. Alors, hop. Ah, là, par contre, j'ai tout le kit qui n'est pas dans un sachet refermable. Hop. Alors, pour cette toile, on est sur une 30 par 40 avec les deux tableaux, 23 couleurs. Je vais vous montrer l'image. Et elle va pas tenir. Voilà l'image en question. Voilà. Et voilà ce qu'il nous avait montré. Donc, il y a bien 23 couleurs. Donc, hop, on va tester la colle de cette toile. Ça colle très bien. Oh, elle colle bien fort, celle-là. Alors, voyons voir le tableau des matières. Donc, pas de symbole bizarre. Ça a l'air bien. Ça m'a l'air bien. On voit très bien les symboles. Hop. Donc, pour cette toile, je vous ai déjà montré tout le kit. Et là, les diamants sont bien rangés en sachet. Par contre, ils sont un peu retombé, on voit pas tout. Voilà, donc ça m'a l'air pareil. Alors là, il est à l'envers, donc je peux pas vous montrer. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui voudrait bien tomber? Juste un. Ah, voilà. Donc là, pareil, on a le numéro pour rediamanter qui est écrit juste là. On a la référence de la toile juste au-dessus, donc c'est bon. Le poids. Et par contre, là, je ne sais pas si c'est la DMC du diamant. À voir. Donc voilà pour cette toile des petits chats dans leur panier pour Noël. Donc je la range et je vais en chercher une suivante. Donc voilà la toile suivante. Donc c'est la dernière de Noël. Donc ça va, il n'y en avait que 3. Sur 9, ça va. La nana qui cherche des excuses. Bon, de toute façon, j'ai vu que j'étais pas la seule à commander les toiles de Noël, à commencer à faire sa petite réserve pour être prête pour décembre. Surtout qu'en plus, je vais vous faire une petite série pour octobre. Alors, je ne sais pas si je ferai tout le mois d'octobre, hein, parce que ça va être juste. Peut-être juste une ou deux semaines. Donc, je vous redirai ça. Donc, hop, une petite toile avec deux bonhommes de neige. Les petites que vous voyez là, c'est des oiseaux. Je vais vous montrer l'image juste après. Deux tableaux des matières, 30 par 40, voyons voir les symboles. Voilà, hop. Alors, je remesure pas parce que je remesure à chaque fois quand je la range. Le 30, c'est comme je vous avais dit au début, hein, 23,9, 24, je sais plus. Revenez sur la première toile, je voulais remesurer. À chaque fois quand je la range, je remesure, c'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà pour le tableau des matières. Alors j'ai juste un petit symbole qui m'inquiète. Vous voyez le 7 et vous voyez le 21. C'est de là qui m'inquiète. En allant trop vite, j'ai peur de me tromper. Excusez-moi, mon chat fouille dans les poubelles. Laisse le sac. Donc en toolkit, on est sur un toolkit qui est dans un sachet fermé. Donc ça, c'est très bien. Ah, je ne vous ai pas montré l'image. Allez, je commence à oublier des choses. Donc voilà l'image que ça doit rendre. Et on est bien pareil comme ce qu'ils nous ont montré. Donc ça, c'est très bien. Ah oui, t'as pris une pichenette. Je ne trouve pas dans la poubelle. Donc, voyons voir ces diamants. Alors dites-moi si vous préférez que je vous montre les diamants juste comme ça. Ou si vous voulez que je vous les montre un par un. Sachant que ceux qui sont en sachet zippé, là je ne vous les montre pas parce qu'on les voit à peu près. N'hésitez pas à me dire si vous préférez que je vous les montre un par un. Pas hésiter à me dire si vous avez des préférences pour voir les diamants. Donc on a un argenté et un vert. Hop. On a un petit doré très très clair. Un vert. Un noir. Un doré. Un autre doré. Un bleu très très clair, un rouge, j'ai l'impression que c'est la même celle-là, non, c'est un rouge plus foncé l'autre, un vert très très foncé, ah, ils sont, enfin, j'ai l'impression qu'il faudrait que je fasse, que je regarde bien les diamants, parce qu'il y en a peut-être qui sont pas très bien, mais bon, à voir. Là, on a un marron.
Ensuite, là, on a un autre noir. Là, on a du doré, un orangé, un autre doré, un rouge, un jaune, un rouge orangé, un rouge, un jaune orange et du noir tout simple qui n'est pas en strass. Donc voilà pour cette toile, je la range et je vais chercher la suivante. Voilà la suivante. Alors cette toile-là, je la trouvais trop belle et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner avec les strass. Elle m'a l'air magnifique, j'espère que ça va rendre super bien. Hop. Alors, voyons voir. Alors, elle a un petit peu pris un coup là. Elle devait être sur le bord du sachet. Oh, j'espère que ça n'abîmera rien. Donc, pour cette toile, on est encore sur une 30 par 40 avec les deux tableaux des matières. Donc, voilà la toile. Hop, je vous la rapproche. Alors là, les symboles, il n'y a rien de plus simple. On a juste un V à l'envers. Voilà, on n'a rien de plus simple. On voit très bien les symboles. Je trouvais super beau ce petit renard. Ça colle très bien. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Hop. Donc, voilà le dessin. Alors, j'avais juste peur pour ça, qu'il ne l'ait pas enlevé. Mais j'ai l'impression qu'ils l'ont enlevé. Donc, voilà ce qu'il nous montre. Donc, on a bien 16 couleurs et là on en a bien 16, donc vous voyez j'ai l'impression qu'ils l'ont enlevé le petit dessin. Je pense que c'est tout bon. Donc le toolkit toujours le même et les diamants. Alors voyons voir sur quelle panoplie ils nous ont mis. Hop. Donc on a de l'argenté, du doré, du rose très très clair, du rose, du orange doré, du jaune orangé, du noir, un marron très très foncé, un doré foncé. Ouais, aussi un marron foncé, je peux pas trop décrire, vous voyez, ils sont un peu on voit pas très bien hein. Ils sont un peu, j'ai l'impression que c'est un peu sale celui-là. On a du orange, c'est un peu le but de la toile, du rouge, du orange plus clair, du rouge et un noir. Donc voilà pour cette toile. Je voulais vous dire aussi que quand j'étais sur le site, il y avait des toiles plus chères que je trouvais aussi très très belles en strass. Mais je me suis dit, oh Emma, tu les connais pas. T'as pas encore commandé chez eux. Prends que des toiles à 5 euros. Qu'on puisse voir ce qu'on peut avoir avec juste 5 euros comme toile. Donc, je vous le dis, il y a une Zelda en vitrail et une un peu effet manga. Une femme, j'ai trouvé super belle, mais c'était plus cher. Je sais pas si je les commanderai parce que je les trouve quand même chères. Après, elles sont plus grandes, mais à voir, peut-être. Je vais faire cette toile là, puis je vais voir si j'ai envie d'essayer les autres toiles. Sachant que là, ils ont des nouveautés depuis que j'ai passé la commande, donc je mets dans mon panier au fur et à mesure, puis on verra plus tard si j'en vois. D'autres qui me plaît, puis bah si ce que j'aurais fait ça me plaît. Donc je vais aller chercher la prochaine toile, il en reste plus que 3. Alors celle-ci aussi je l'ai trouvée aussi, mais magnifique, elle est trop belle. J'ai pensé à moi et j'ai aussi pensé à ma maman quand je l'ai commandée. Alors c'est pas du tout son genre, et puis pour le moment elle n'est pas intéressée par le DP, elle regarde ce que je fais. Voilà, c'est tout. Elle regarde juste, peut-être qu'un jour j'arriverai à la convaincre, hein, on ne sait jamais. Alors, pour cette toile, hop. Voilà, alors je la trouve super belle. Donc c'est un capteur de rêve avec une chouette au centre et plein de et vachement coloré. Ma maman est très chouette, très hibou.
Et moi, j'adore les capteurs de rêve. Donc, je trouvais ça le combo super. Et je la trouve super belle, cette toile. Donc, toujours pareil, hein, les deux tableaux des matières. On a 21 couleurs. Elle est toujours en 30 par 40. Elle colle très bien. Donc, voilà ce que ça donne. On voit très bien les symboles. Voilà les symboles qu'on a. Alors, hop. Voilà. Hop là. Je vous montre ce que ça donne sur le site. Si j'ai fait une petite coupure, c'est que j'ai tapé dans la chaise où est posé le trépied. Donc voilà ce que ça donne sur le site. Elle est super belle. Hein. Il est super beau le dessin. Il est magnifique. Donc voilà ce que ça doit donner en DP. Donc 21 couleurs. Et on a bien les 21 couleurs. Alors je sais pas si vous avez vu mon unboxing de Shein. Hop, le toolkit toujours le même. Comme quoi, il montrait des toiles et on n'avait pas du tout le nombre de couleurs qu'il montrait. C'est pour ça que j'insiste sur. Il montre qu'il y a 21 couleurs et il y a bien 21 couleurs. Parce que sur Shein, il montrait, je sais plus, 25 couleurs et j'en avais 19. Donc ça m'a un petit peu fâchée. Mais bon. Espérons que ça suffit, les 19 couleurs. Donc voilà les deux premières couleurs. Je ne vous redis pas les couleurs, hein, vous les voyez, un bleu, un violet. Ah là, on va arriver dessus. On a du rose, du rouge, du jaune. Et là, pareil, le noir, il n'est pas en strass. Alors, il marque bien que les toiles sont toutes en strass, complètement en strass. Vous avez, quand vous arrivez sur le site, vous avez un onglet où vous demandez, où vous voulez regarder les toiles qui sont complètement en strass. Et là, ça fait la troisième ou la quatrième toile qu'on a le noir qui n'est pas en strass. Mais on a quand même un noir en strass. Alors, il faudrait quand même qu'ils disent que, je ne sais pas, le noir, il n'est pas en strass, peut-être. Il faudrait peut-être qu'ils le marquent. Donc là, on a du violet, on a du rose, on a du rouge, du rose, un bleu, un autre bleu, un rose, un orange, un vert, un peu marron, un vert, un rose bien pétant, un bleu et un bleu. Alors celle-là, j'ai trop hâte de voir ce qu'elle donne. Hop, ça ne saurait tarder à ce que je la fasse. Déjà là, j'ai fini une grande toile. Vous n'avez pas tardé à voir la vidéo, vous l'aurez peut-être déjà vue de chez Spain Queen en carré. Et je vous avouerai que là, j'en ai un peu marre de faire des carrés. Donc je vais faire toutes mes petites toiles, enfin une partie de mes petites toiles, pour faire de la place dans ma pochette à dessin. Parce que les petites toiles, bah, ça fait un effet bombé sur la pochette à dessin, vu qu'elle est plus grande que les toiles. Et vu que bah, ça fait. Vous avez la pochette à dessin. Puis les toiles, elles sont toutes petites par rapport à la pochette à dessin. Et ça fait un effet bombé. J'ai oublié les diamants. Donc je range celle-ci et on passe à l'avant-dernière toile. Donc, l'avant-dernière toile, c'est une toile que j'ai vue un peu partout. J'ai hésité plein de fois à la prendre. Et là, quand j'ai vu qu'elle y était et en strass entière, je me suis dit, ah ouais, ça va rendre trop bien. Je me suis dit, vas-y, prends-la. Ça va être super. Je crois que, ouais, en fait, c'est que des 30 par 40. Attendez, je regarde la dernière aussi, mais ouais, c'est que des 30 par 40 en fait. 5 euros, c'est des 30 par 40. Donc, hop. Donc, voilà la toile. Donc, c'est bien parce que je vois toutes les toiles, il y a les deux tableaux des matières. J'espère que quand elle est plus grande, c'est toujours pareil. Donc, voilà ce qu'elle donne. Ah, vous la voyez super bien. Hein. Moi, je la vois bien. Mais vous, vous la voyez encore mieux que moi. Donc, c'est une 30 par 40, toujours pareil. Les deux tableaux des matières, elles collent très bien. Hop. On voit très bien les symboles. Même dans le foncé, on voit très très bien les symboles. Donc voilà les différents symboles qu'ils nous ont mis. Alors il y a un truc que j'aime pas quand ils font les trucs, quand ils font les toiles, c'est qu'ils me mettent un M, vous voyez là, le 4, et un W, le 10. Parce que si jamais, bah, je sais pas, vous êtes un peu fatigué ou vous voulez tourner la toile. Bah, c'est possible de confondre le M et le W. Mais là, ça va. Le M, il est très clair. Vous voyez, on le voit là. Là, juste en haut de son oreille.
Et le W, il est là, il est très foncé. Donc pour se tromper, faut vraiment pas faire attention et être très fatigué. Mais ça m'est déjà arrivé de faire des toiles avec beaucoup de fatigue et de me planter sur un truc où je pouvais pas me planter. Hein. Mais bon, donc voilà ce que ça donne. C'est magnifique, hein. Franchement, c'est trop beau. Et je l'imagine avec des diamants qu'on voit la nuit, vous savez, des néons. Oh, ce serait trop beau. Donc voilà ce que ça donne. J'hésite. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Vous voyez la partie bleu ciel là. J'aimerais bien mettre des diamants qui pètent un peu plus, mais faut déjà que je vois ce que ça donne une toile tellement en strass. Parce que si ça se trouve, si je mets des diamants qui pètent un peu plus, un peu style néon, ça se trouve ça va faire trop, ça va faire pas beau. Donc faut déjà voir ce que ça donne en strass. Si ça se trouve, tout en strass, ça va être moche. Hein. Je sais pas. Hein. J'espère pas. Donc voyons voir les diamants. Alors attendez, je contrôle s'il n'y en a pas un qui va tomber par terre. Non, c'est bon. Juste celui-là. Hop, le petit bleu. Alors attendez, c'est laquelle les Z, c'est le 19. Donc c'est celle-là en fait, que je voyais en truc qui pète un peu plus. Mais en fait non, il n'y a pas besoin. Ça pète déjà bien. Donc hop, on a un violet, un bleu vert, un bleu, un violet, un rose. Oh, ils sont vachement bien pétants les diamants. Un autre rose, un bleu. Un bleu. Là, on a encore un noir qui n'est pas en strass. Attention les noirs. Un bleu foncé. C'est le même. Oui, c'est le même. Ces deux-là, c'est les mêmes. Un violet. Un bleu. Un bleu foncé. C'est pas le même. Si, c'est encore le même. J'en ai trois là. Hop, j'ai ces trois là. C'est le même. J'ai un rose. Un lilas. Un violet. Un rose et un rose. Franchement, les couleurs, elles sont vachement pétantes sur cette toile. Je pense qu'elle va bien, bien rendre. Donc, je range cette avant-dernière toile et je vais aller chercher la dernière. Donc, voici la dernière toile. Alors, celle-là aussi, je l'avais vue partout et j'avais hésité. Mais pareil, j'espère qu'en strass, ça va bien rendre. Mais vous allez vous dire, à force, elle a un problème, celle-là. Attendez, je vais vous montrer. Et voilà, des chats. C'est-à-dire, elle a un problème avec ses chats. Il y a des chats partout, quasiment dans la moitié des unboxings. Il y a des chats chine, il n'y avait que des chats. Il y a des chats partout, oui. J'adore les chats. Je suis très félin. Mon animal préféré, c'est le tigre. J'adore les félins. Et chez moi, j'ai plusieurs chats. J'ose pas dire le nombre parce que quand je dis combien j'ai de chats, ça choque beaucoup de personnes. Mais bon, j'en ai pas 10, hein. J'en ai moins. Moins de 5. Mais j'en ai quand même. Donc, voilà la toile. Alors là, les deux tableaux des matières sont vachement énormes. Je les trouve très gros. Alors du coup, ça me fait un peu peur. Est-ce que c'est toujours pareil? Ouais. Là, en plus, là, elle fait bien 24. Là, là par contre, ça m'inquiète un petit peu. J'ai peur que ça rende pas beau. J'ai peur que ça ne rentre pas bien. Hop, elle colle très bien. On voit très bien les symboles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Dans le noir aussi. Voilà les symboles qu'on a. Attendez, je prends le temps que vous voyez ce qu'il y a. Parce que je sais que certaines personnes n'aiment pas tomber sur certains symboles. Ou n'aiment pas qu'il y ait des symboles qui se ressemblent. Parce que il y a aussi nos petites mamies qui nous font nos toiles. Et elle ne voyait pas aussi bien que nous. Hein. Donc voilà le dessin. Avouez, c'est trop beau. Il y a plein de chats. Et voilà ce que ça doit rendre. Donc on a bien 24 couleurs. Donc voilà pour cette toile. Donc tout le kit toujours le même dans sachet refermable. Et les derniers diamants. Donc là, ce coup-ci, ils sont pas... On est d'accord, ils sont pas en sachet refermable. Là, je vois des sachets refermables. Je pense qu'il y a dû y avoir un oubli quelque part et ils ont réparé l'oubli. On va voir ça. Est-ce qu'il y a eu une erreur et est-ce qu'ils l'ont réparé l'erreur? Donc, hop. Donc là, déjà, en premier, j'ai un rose
un jaune, un rose et un vert. Alors, je me moque pas des mamies, hein. Je suis avec mes lunettes hein, pour faire un DP. Hein. Ça m'arrive de rien voir du tout. Hein. Me prenez pas mal. Hein. Je pense que c'est du noir. C'est deux noirs. Ils ont mis un tout petit sachet. J'essaie de ne pas perdre les sachets qu'ils nous ont rajoutés. Oh, j'en ai perdu un. Attendez, je vais les mettre juste en dessous. Hop. On a du jaune, un orange, du rouge, du vert, du jaune, un noir en strass, du bleu, du rose, du bleu, du jaune, du violet, du bleu et du rouge. Alors, voyons voir, là, attendez, je regarde juste les numéros 6 à 19. Je veux juste pas que ça tombe. Là, j'ai 20 à 24. Donc, en gros, il manquerait du 1 au 5. Donc, voyons voir ce qu'ils m'ont mis. Alors là, j'ai le 1 qui est en sachet comme ça. Donc, c'est un... Il faut pas bien. Hein. Un bleu. Voilà. Oui, pour rien. donc, ça fait le 1, 2, 3, 4, 5. Donc, voilà. Il devait manquer sur la ribambelle. Donc, ils les ont mis en sachet. Donc, voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez bien. Le 3, hop, du bleu. Voilà. Ils sont un peu sales. Encore un noir. 4. Et un doré. Voilà. Donc, à ce que je vois, il manquait des diamants sur la ribambelle. Ils ont réparé l'erreur de la ribambelle. Déjà, il manquait un bout. Du 20 au 24, il manquait sur cette grande ribambelle. Et il manquait du 1 au 5. Donc, à ce que je vois, ils l'ont vu et ils ont réparé l'erreur. Donc ça, ça veut dire qu'ils contrôlent. Ils font attention à ce qu'ils font. Donc je range ces diamants-là, je vais nommer tous mes diamants et je vous reprends après pour qu'on ait la panoplie de tous les DP que j'ai pris et que je vous donne mon avis sur juste l'unboxing. Hein. J'ai pas encore fait l'étoile, donc je peux pas donner mon avis sur ce que ça donne en rendu. Donc nous voilà les 9 toiles regroupées, donc voilà ce que j'ai pris. Alors pour moi, franchement, c'est un bon site pour le moment au niveau de l'achat. Pour le moment, je n'ai pas encore testé les toiles. Pourquoi? Alors, ils ont peut-être mis 6 jours à préparer la commande, mais vous avez vu que sur la dernière toile, il y avait des oublis. Ils les ont tout de suite vus, ils ont réparé les erreurs. Donc, si pour moi, il faut attendre 6 jours pour que les toiles partent et que tout soit nickel, je dis d'accord. Surtout qu'entre le 16 et le 24, franchement, c'est livré super rapidement, hein. Ça arrive très très vite. C'était bien emballé, tout le monde était bien... bon, d'accord, c'est pas dans du papier bulle. On est d'accord, vous avez vu, ils étaient dans des sachets plastiques. Le colis au total est dans un sac poubelle, hein, on va le dire. Faut peut-être qu'ils changent à ce niveau-là. Peut-être, d'accord, ils veulent garder leur colis sac poubelle, mais les toiles, elles, ne doivent pas rester dans des sacs plastiques emballés. Ils doivent les mettre dans des emballages bulles. Parce que là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez le renard, à cet endroit-là, il y a un petit accro, là. Mais bon, c'est des toiles qui sont avec du papier transparent, donc ça craint rien, elles risquent pas d'avoir des vagues, mais elles peuvent être abîmées. Donc faut peut-être qu'ils changent à ce niveau-là. Mais vous voyez, mes toiles n'ont rien, et elles sont arrivées très rapidement, et elles sont nickel, et elles sont bien par rapport à l'annonce, elles sont bien ce qu'il y avait écrit, j'ai bien le bon nombre de diamants, elles sont bien toutes en strass, sauf la partie des diamants noirs, peut-être voir qu'ils modifient ça, mais franchement pour moi, c'est très bien. Je n'ai rien à dire. Pour le moment, ça me plaît. À voir une fois que j'aurai fait si ça me plaît toujours autant. Ce site me plaît. Et ils ont d'autres choses. Hein. Ils ne font pas que du strass. Ils font aussi tout le reste. Donc, voilà pour cet unboxing. N'hésitez pas à me dire si vous avez une toile qui vous plaît. Je vous marque juste en dessous la vidéo, les références que je mets des toiles. Alors, ne me jugez pas sous les références. Hein. J'ai mis des fois des trucs un peu nuls. Hein. Par exemple, celle-là, j'ai juste marqué 8 chats. Les 8 chats, point. C'est tout. Vous marquez coucou Emma, la toile avec les 8 chats, j'aimerais bien la voir assez rapidement. Est-ce que tu peux la passer en premier?
Donc je verrai en fonction des commentaires, hein, s'il y a plusieurs personnes qui veulent voir une toile précise, bah, je la passerai en premier et je ferai au fur et à mesure les autres personnes qui m'ont dit qu'il y avait des toiles qui leur plaisaient. Je sais que j'ai une personne qui attend la toile de chez Spell Queen avec les deux chats. Je vais la faire. Je fais juste une petite pause là sur les diamants carrés et je vais la faire, hein, ne t'inquiète pas, ça arrive. Donc voilà pour cet unboxing. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner si mon contenu vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, hein, même si vous avez rien à dire, un petit smiley, ça me fait plaisir, comme ça je vois les personnes qui viennent régulièrement regarder mes vidéos. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt. Salut!